Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters. Et dans cette vidéo, nous allons analyser le tout premier Master Festival du 3e anniversaire du jeu, à savoir Sacha et Pikachu. Et la musique de fond que vous entendez actuellement est l'OST de combat contre Sacha, qui est en réalité un remix de l'opening 1-2-3 de la série Pokémon Journée, ou Les Voyages en français. Personnellement, je suis totalement fan de cette OST. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est typiquement le type d'OST que j'aurais voulu pour Sacha, un remix d'un des openings de l'anime. Alors, commençons tout de suite l'analyse. Sacha et Pikachu sera un attaquant spécial pour son style de base de 5 étoiles, bien évidemment, avec un 6 étoiles X. Alors, le 6 étoiles X, voilà, jaune fluo de couleur Pikachu. Bon, on va le laisser en couleur de base, j'ai envie de dire. Il sera de type électrique, bien sûr, et faible aux attaques de type sol. Au niveau des statistiques, au niveau 140, attention, Pokékalos a fait la mise à jour des niveaux 150 qui sont disponibles dans le jeu, mais je vais continuer mes analyses au niveau 140, tout simplement parce que le grind pour arriver au niveau 150 est très long, et je ne pense pas que vous aurez l'occasion de pouvoir 150 toute votre box dans Pokémon Masters. Donc par souci de réalisme pour la majorité des box du jeu, on va rester pour l'instant au niveau 140, le temps que le niveau 150 se démocratise dans le jeu. Donc au niveau 140, on a tout simplement 487 en attaque spéciale, ce qui est tout simplement une énorme statistique d'attaque spéciale. On a la cinquième meilleure attaque spéciale du jeu. Donc si vous le mettez 6 étoiles X, vous passez à 527 d'attaque spéciale. Par contre, on a 271 en vitesse, qui là est un peu moyen, mais il va quand même s'en sortir, ne vous en faites pas. Au niveau des kits de base, déjà on a l'attaque Fatal Foudre de type électrique, spécial 124 de puissance en 1 sur 5, 70 de précision, qui coûte 3 segments de jauge capacité, n'échoue jamais quand il pleut, et l'attaque a 30% de chance de paralyser la cible. Ensuite, nous avons son premier move dresseur, car oui, Sacha Pikachu possède deux move dresseurs. Tout d'abord, nous avons à nous la victoire. Le lanceur gagne environ 20% de ses PV maximum, remplit 6 segments de la jauge capacité du lanceur, applique l'effet régénération lente PV au lanceur, applique l'effet prochain super efficace au lanceur, applique l'effet prochain garde au lanceur, apporte le café au joueur sur le téléphone. Bref, ce move dresseur fait énormément de choses. Ensuite, nous avons Tonnerre S, qui est le buddy move de Sacha et Pikachu, ou alors la compétence synchro, la capacité synchro, qui est introduite pour le 3e anniversaire du jeu. Alors, l'attaque en 1 sur 5 a tout simplement 400 de puissance, ce qui est énorme. A savoir que l'attaque en 3 sur 5 possède 440 de puissance, et si vous avez la chance de l'avoir 5 sur 5, l'attaque aura tout simplement 480 de puissance. L'attaque est plus puissante que la capacité de duo de base. Voilà, juste pour vous dire. Alors, une utilisation, condition d'activation, car oui, les buddy moves ont une condition d'activation. Quand le lanceur utilise 3 fois n'importe quelle capacité, condition de désactivation, impossible de désactiver. N'échoue jamais. Consomme jusqu'à 6 segments de la jauge capacité du lanceur. Plus il y a de segments consommés, plus cette attaque est puissante. Donc, typiquement, Tonnerre S, ce sera intéressant d'utiliser après avoir fait le move dresseur à nous la victoire. Comme ça, vous ferez plus de dégâts vu que vous allez utiliser les 6 segments de la jauge capacité. En gros, l'attaque a un condensateur de base dessus, sachant qu'en plus, l'attaque n'échoue jamais. Donc ça, en plus, c'est encore plus fort. Et enfin, nous avons la dernière compétence dresseur. Nous allons tout donner, une utilisation. Augmente l'attaque spéciale du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critique de 3 rangs. Augmente également l'attaque spéciale et la vitesse de 2 rangs quand ses PV restants sont à la moitié ou plus. Donc généralement, c'est la compétence dresseur qu'on va faire directement en commençant le combat. Quand vous allez commencer un combat, que vous ayez la totalité de vos PV, ou si en Champion Stadium vous prenez le malus pour réduire vos points de vie de 50%, eh bien vous allez proc l'attaque spéciale et la vitesse plus 2, car vos PV seront à la moitié ou plus. Donc ça, c'est intéressant. Donc de base, eh bien vous aurez attaque spéciale plus 6, critique plus 3 et vitesse plus 2. Donc tout simplement, vous allez faire le premier move dresseur, nous allons tout donner. Ensuite, vous allez faire un petit Fatal Foudre. Et enfin, vous allez faire à nous la victoire. Comme ça, vous allez proc tous les effets et vous allez pouvoir lancer un Tonnerre S très très surpuissant. D'ailleurs, là c'était pour le kit de base, on n'a toujours pas vu les talents. Et les talents sont très intéressants sur Sacha et Pikachu. Au niveau de la capacité duo, Amitié survoltée, Giga Tonnerre, et j'ai juste envie de dire merci Pokémon Masters, vous n'avez pas chié dans la colle, vous avez mis
le gigatonnerre de Sacha et Pikachu dans le jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le gigatonnerre, c'est tout simplement la capacité Z de Sacha et Pikachu utilisable avec la Pika Sacha Zélite dans l'animé Soleil et Lune. Et c'était la chose que j'attendais le plus sur Sacha et Pikachu. Bon, bien sûr, il n'y avait aucun intérêt qu'il skip cette attaque dans le jeu, mais ça fait tout de même plaisir de voir que cette attaque va avoir une animation dans Pokémon Masters. 250 de puissance en 1 sur 5, inflige un coup critique si l'attaque atteint sa cible, sauf dans certains cas. Donc dans tous les cas, la capacité duo va toucher sa cible, donc vous allez faire un coup critique. Et les sauf dans certains cas, ça comprend les talents qui immunisent au coup critique des adversaires, ou alors les effets de terrain qui mettent des immunités critiques. Ensuite, nous avons le master talent de Sacha et Pikachu, qui est un conviction de Kanto, qui est un master talent spécialisé sur le plan spécial. Augmente de 20% la puissance des capacités spéciales et de 25% la résistance spéciale de tous les duo-alliés. Plus il y a de duo avec le mot-clé Kanto dans l'équipe, plus l'effet augmente. Maximum, vous avez 50% de puissance supplémentaire et 31% de résistance spéciale aux dégâts. Donc si vous avez un seul duo Kanto dans l'équipe, à savoir Sacha et Pikachu, vous n'aurez que 20% de puissance et 25% de résistance spéciale. Si vous avez deux duos, vous montez à 35% de puissance sur les attaques spéciales et 28% de résistance spéciale. Et si toute votre équipe est de Kanto, bah vous passez à 50% de puissance sur les capacités spéciales et 31% de résistance aux dégâts des attaques spéciales des adversaires. Nous allons maintenant passer au talent passif de Sacha et Pikachu. Tout d'abord, passion ardente de Sacha. Et d'ailleurs, merci encore une fois Dena d'avoir mis des noms de talents qui sont compréhensibles et qui n'ont pas des abréviations partout. Ça fait plaisir de pouvoir lire tranquillement sans se défoncer la rétine. Augmente la puissance de la capacité Fatal Foudre du lanceur. Bon, on ne sait pas de combien de pourcents la capacité va être augmentée, mais on sait que de base ce sera plus puissant qu'un simple Fatal Foudre. Baisse de 1 le nombre de segments de jauge capacité requis par le lanceur pour lancer la capacité Fatal Foudre. Donc la capacité Fatal Foudre, au lieu que ça consomme 3 segments de jauge capacité pour être utilisé, ça va en consommer que 2. Donc vu que de base on n'a pas une énorme vitesse, eh bien ça va être sympathique. Et sachant qu'en plus on va se mettre à plus de la vitesse, eh bien ça va pouvoir bien compenser. On n'aura limite pas besoin de chercher un récup jauge sur Fatal Foudre dans le plateau. Et la capacité Fatal Foudre du lanceur n'échoue jamais. Donc le 70 de précision sur Fatal Foudre, eh bien vous vous en foutez car vous n'allez jamais rater votre attaque. Ensuite, nous avons Détermination de Sacha. Applique l'effet pré-encaissé au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. Applique une nouvelle fois l'effet pré-encaissé au lanceur quand cet effet s'active pour la première fois et qu'il n'a plus que 1 PV. Donc tout simplement, vous avez une double coriacité qui fonctionne à coup sûr, et ce talent, on peut littéralement le renommer Plot Armor de Sacha. Alors Plot Armor, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, ça signifie armure scénaristique, c'est-à-dire un personnage qui ne peut pas tomber KO ou mourir parce que le scénario le protège. C'est un petit peu ça, Sacha a une double coriacité de base. Petite référence à l'animé, parce que dans certains combats, Pikachu survit alors que le coup de l'adversaire aurait dû le mettre KO. Et enfin, on a Premier Désespoir, Boost Spécial 2. Augmente l'effet Prochain Boost Capacité Spéciale du lanceur de 2 rangs quand il est en mauvaise posture pour la première fois à chaque combat. Donc si vous êtes à 30% de vos PV maximum ou moins, eh bien vous allez obtenir un prochain boost capacité spéciale plus 2. Donc votre prochaine attaque aura 80% de puissance en plus. Donc ça s'applique sur Fatal Foudre et sur Tonnerre S. Donc là attention, ça va faire pas mal de dégâts. Et sinon bon, au niveau des talents d'équipe, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà on peut parler du kit de base de Sacha qui est tout simplement exceptionnel. Le duo va se setup très facilement et très bien. Il a deux move dressers qui sont vraiment super cool. De base vous allez juste faire nous allons tout donner. Vous allez faire à un Fatal Foudre et vous allez faire ensuite à nous la victoire. Comme ça vous allez proc les trois capacités du lanceur, parce que le Tonnerre S précise bien n'importe quelle capacité du lanceur. Donc ça comprend les compétences dresseurs et les attaques. Donc en faisant les deux moves dresseurs et Fatal Foudre, vous allez proc l'utilisation de Tonnerre S et vous allez pouvoir faire pas mal de dégâts. Sachant que les effets de Anou la victoire peuvent être gardés pour une capacité duo surpuissante. Bref, le duo va tout simplement faire des dégâts insane, que ce soit sur Fatal Foudre, sur Tonnerre S ou sur la capacité duo qui a un coup critique garanti tant que l'adversaire n'a pas des effets ou des talents qui vont empêcher le coup critique. Bref, en plus il a un très bon master talent. C'est tout ce qu'il y a à dire pour le kit de base. On va pouvoir maintenant passer au plateau du duo. Pour le plateau 1 sur 5 de Sacha, bon, on pourrait dire on va chercher toutes les cases, même si on n'aura pas assez d'énergie. Donc j'ai préféré ne pas prendre certaines cases de défense spéciale juste ici. Tout d'abord, nous allons chercher un récup PC2 sur la compétence dresseur. Nous allons tout donner pour augmenter à nouveau la vitesse en début de combat. De toute façon, il n'y a pas d'autres cases à prendre sur le plateau. On va chercher le récup jauge 3 sur Fatal Foudre. Ça, ça fait plaisir. Et sinon, on a des cases
immunité paralysie, immunité baisse attaque spéciale et immunité baisse vitesse. Pas grand chose à dire sur le plateau 1 sur 5 de Sacha, mais le kit de base est déjà très très bon, donc en soi on peut très bien se contenter du 1 sur 5 du duo. Nous nous retrouvons maintenant pour le 2 sur 5 de Sacha et Pikachu. Donc on va aller chercher le air nocif sur Fatal Foudre, qui va augmenter les chances de paralyser l'adversaire. Sachant que Fatal Foudre a de base 30% de chances de paralyser l'adversaire, avec la case air nocif 1, on va passer à 60% de chances. On prend des cases de stats ici, attaque spéciale de plus 10, et on prend des cases pour booster Fatal Foudre. Et en fait c'est surtout ça qu'on va prendre, hein, parce qu'après on prend des cases de capacité duo pour taper sur la capacité duo. Après c'est à vous de voir si vous voulez prendre le récup jauge 3 sur Fatal Foudre, même si de base Fatal Foudre ne va pas consommer énormément de segments de jauge capacité, et qu'on aura quand même une bonne vitesse, parce qu'on aura un vitesse plus 2 en début de combat. Donc en soi je pense pas qu'on ait besoin du récup jauge sur Fatal Foudre. Et au pire, même si vous le jouez à côté d'un duo qui va booster un petit peu la vitesse, et bien Pikachu n'aura pas de soucis de segment de jauge capacité. Donc à ce niveau là, pas grand chose à dire. En plus sur le 2 sur 5, on a des cases sur Anneau la Victoire pour soigner Pikachu, mais c'est pas des cases super intéressantes. Ici on a Tourment Restauration et Premier Désespoir Esquive 3. Bon, pas des cases super intéressantes pour un attaquant. Et ici on a des cases sur le champ électrique. Bon, après à voir, ce sera vraiment si vous allez le jouer avec Red et Pikachu, qu'on analysera dans une autre vidéo. Mais en soi ces cases là sur le champ électrique n'apportent pas énormément de choses sur Sacha et Pikachu, donc on peut limite les oublier. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le plateau 2 sur 5 de Sacha et Pikachu. On va pouvoir passer au dernier plateau. Nous voici enfin pour le plateau 3 sur 5 de Sacha et Pikachu. Alors on va surtout aller chercher des cases de capacité duo, parce que la capacité duo tape super fort, et en plus en 3 sur 5 on a pas mal de cases pour la renforcer. On va chercher le air nocif 1 sur Fatal Foudre, parce que ça reste plus intéressant de paralyser les adversaires avec Fatal Foudre. Et en plus on va chercher puissance capa duo paralysie 8. Plus si les adversaires sont paralysés, si l'adversaire est paralysé, la puissance de la capacité duo augmente de 80%. Alors d'ailleurs il faut aussi savoir un truc, c'est que le air nocif 1 sur Fatal Foudre, vous n'êtes pas spécialement obligé de le prendre si vous jouez Sacha et Pikachu à côté de Red et Pikachu. Parce que Red et Pikachu, alors on en parlera plus en profondeur pour la prochaine vidéo analyse qui lui sera dédiée, mais il peut paralyser les adversaires avec son G-Max. Donc à vous de voir si vous jouez Sacha et Pikachu sans Red et Pikachu ou n'importe quel duo qui paralyse, eh bien le air nocif 1 sur Fatal Foudre est intéressant à prendre pour prendre cette case de capacité duo. Sinon vous allez chercher le récup jauge 3 sur Fatal Foudre. Là ce sera à vous de voir. Mais dans le cas où vous voulez vraiment optimiser le duo, bah en soi vous allez peut-être le jouer avec Red et Pikachu. Donc en soi autant prendre le récup jauge 3 sur Fatal Foudre, même si je ne pense pas que vous en aurez spécialement besoin. Ensuite on va aller chercher les autres cases de capacité duo. Et ici on prend la case attaque spéciale up, capacité duo puissance up 8. Si la statistique d'attaque spéciale de Pikachu a été augmentée ne serait-ce que d'un rang, la capacité duo augmente en puissance de 80%. Donc avec le 3 sur 5 de Pikachu, déjà vous avez 160% de puissance sur la capacité duo avec des cases de stats de base. Sachant qu'il peut se donner le prochain super efficace avec une de ses compétences dresseur, et qu'en plus il est de type électrique et qu'il peut profiter du champ électrique, et bien la capacité duo va taper extrêmement fort si vous remplissez toutes ces conditions. Sinon en matière d'autres cases sur le plateau, eh bien ici on a un lien profond 5 sur Fatal Foudre. Alors on va enlever certaines cases ici pour pouvoir aller chercher cette case. Alors si les PV de Pikachu sont à 30% ou moins, Fatal Foudre augmente de puissance de 50%. Là ce sera à vous de voir selon les malus que vous voulez prendre en Champion Stadium par exemple. Si vous savez que votre Pikachu va être très très bas en PV, là vous pouvez profiter de cette case qui va augmenter la puissance de Fatal Foudre de 50%. Après à vous de voir, ça c'est vraiment auquel cas vous n'avez pas envie de jouer Pikachu sur la capacité duo. Sinon on peut rester comme ceci. Alors excusez-moi parce que Pokékalos twerk, c'est vraiment très chiant ce bug. Et sinon en autre case sur le 3 sur 5, ici on a Premier Désespoir compteur base 3. Quand vous êtes à 30% de vos PV ou moins, vous réduisez de 3 actions le compteur de la capacité duo. Pourquoi pas, à la limite, si vous décidez de mettre Pikachu en focus qui se prend énormément de dégâts et au début de la game, et bien vous skippez un tour entier avec cette case. Pourquoi pas, ça reste une stratégie qu'on peut adopter. Ici on a CD récup jauge 6. Quand vous allez faire une capacité duo, vous allez récupérer 6 segments de la jauge capacité.
pourquoi pas, même si je pense pas que le duo en aura spécialement besoin. Surtout que après votre capacité duo, si vous faites ce genre de plateau, bah, je pense que les adversaires seront morts en face, donc vous n'aurez pas spécialement besoin de cette case. Sinon, ici, on a toujours des cases sur à nous la victoire, mais bon, c'est des cases de soins pas super intéressantes. Ici, on a capacité compteur 9. Bon, pas non plus une case super intéressante, sachant qu'elle demande pas mal d'énergie. Et ici, on a la case première capacité duo, capacité dresseur, récup PPC 1. Restaure un PPC au dresseur du lanceur la première fois qu'il utilise une capacité duo à chaque combat. Donc avec cette case, quand vous ferez votre capacité duo avec Sacha et Pikachu pour la première fois, vous allez récupérer une utilisation sur vos deux move dresseurs. Donc en soi, vous pouvez à nouveau augmenter la vitesse avec Sacha et Pikachu si vous êtes à 50% de vos PV ou plus. Et avec le deuxième move dresseur, un deuxième prochain garde si vous ne l'avez pas utilisé pour encaisser une attaque de l'adversaire, ainsi qu'un nouveau prochain super efficace. Donc là, à vous de voir, mais personnellement, je trouve que le 3 sur 5 de Sacha est surtout là pour taper sur la capacité duo. La chose qui est vraiment modulable, c'est les cases sur Fatal Foudre ici. Maintenant qu'on a vu les différents plateaux pour le premier Master Festival de l'anniversaire, on va pouvoir passer à la conclusion du duo. En conclusion de l'analyse de Sacha et Pikachu, eh bien pour faire simple, on a un nouvel attaquant top tier, une très bonne stat d'attaque spéciale, un setup très rapide et très efficace, un buddy move qui fait énormément de dégâts, des talents vraiment super intéressants qui rendent très utile la capacité Fatal Foudre, qui donne même un plot armor à Sacha avec la double coriacité qui proc à coup sûr pour le peu que vous commencez le combat avec tous vos points de vie. Si vous êtes à 30% de vos PV ou moins, vous récupérez un prochain boost capacité spéciale plus 2. Fatal Foudre fait énormément de dégâts et en plus ne rate jamais. En plus, ses talents augmentent la puissance de l'attaque. Le buddy move Tonnerre S va faire des dégâts totalement absurdes, sachant qu'on aura tendance à proc tout le passif de l'attaque parce qu'on fera la compétence dresseur qui va remplir les 6 segments de jauge capacité de Sacha et Pikachu juste avant. Et en plus, si on profite du prochain super efficace, alors là je vous dis même pas les dégâts. En plus, si vous mettez le champ électrique en combat, alors là les dégâts vont totalement s'envoler. La capacité duo a un coup critique garanti. On a un bon master talent qui va booster Pikachu sur le plan spécial. Au niveau du plateau, et bien le duo se suffit totalement en 1 sur 5. J'ai envie de dire, le duo vous limite vous l'avez 1 sur 5. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des doublons. Le 3 sur 5 c'est vraiment cool si vous voulez Ooga Boonga avec la capacité duo avec Sacha et Pikachu. Après c'est comme vous voulez, c'est bien aussi d'aller taper sur la capacité duo avec lui. Après vous faites comme vous voulez. S'il y a d'autres duos de l'anniversaire qui vous intéressent, eh bien autant le laisser 1 sur 5 et aller chercher les autres duos. Mais pour les autres duos de l'anniversaire, on en parlera dans d'autres vidéos analyses. Je vais faire en sorte que les vidéos analyses de Cynthia et Lucario et Red et Pikachu sortent avant la sortie du portail de Sacha Pikachu, je le répète, le dimanche 28 août. Comme ça, vous aurez les informations sur les 3 duos Master Festival de l'anniversaire avant que le premier portail arrive. Comme ça, vous aurez le temps de vous décider. Sinon, un autre point positif, bah, j'ai envie de dire, enfin Sacha dans un jeu vidéo officiel, vraiment qui apparaît avec, qui est vraiment jouable dans un jeu. L'OST du perso, moi, personnellement j'en suis totalement fan, pour le coup j'ai vraiment envie de rester devant le portail juste pour écouter l'OST. D'ailleurs, bah, ce sera l'OST de combat dans pas mal de combats pour moi d'ailleurs. Et sinon, bon, en termes de points négatifs, bah, j'en trouve pas personnellement. Allez, la chose que je pourrais dire à la limite, c'est oui, sa vitesse, ça va être un petit peu, c'est un peu moyen, mais ce boost de plus de la vitesse en début de combat, Fatal Foudre ne consomme que 2 segments de jauge capacité. Pour le peu que vous augmentez à nouveau un petit peu la vitesse dans l'équipe, ou qu'il y ait des talents d'équipe qui proc ou des équipements qui boostent la vitesse, et bien très clairement vous n'aurez aucun souci de jauge capacité avec Pikachu, sachant qu'un de ses move dresseurs peut remplir de 6 segments la jauge capacité. Bref, alors le duo peut se jouer très très bien tout seul en 1 sur 5. En 3 sur 5, il y a une case sur Fatal Foudre qui va changer selon le setup que vous allez faire avec Pikachu. Si vous le jouez à côté d'un duo électrique qui paralyse les adversaires, et bien autant ne pas prendre le R nocif sur Fatal Foudre et prendre le récup jauge 3. Par contre, si vous ne jouez pas Sacha Pikachu avec des duos qui vont paralyser les adversaires, et bien autant jouer le R nocif 1, comme ça vous profiterez du multiplicateur sur la capacité duo. Encore une fois, si vous l'avez 3 sur 5, sinon en 2 sur 5, autant prendre le récup jauge 3. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'analyse de Sacha et Pikachu. Personnellement, je suis très hype, c'est le duo qui me hype le plus pour l'anniversaire. Dimanche, il y aura un live invocation sur le personnage. Alors, j'avais pensé à le faire à 8h du matin,
Le truc c'est que bon, je pense que la veille j'aurai une soirée assez agitée, donc je sais pas si je serai disponible à 8h du matin. Mais de toute façon, je vous tiendrai informé sur Discord, sur Twitter, sur YouTube. On fera ce live invocation sur Sacha et Pikachu. J'ai les bonbons pour le 3/5, j'ai les diamants qu'il faut. Donc en vrai, bon, peu importe quand il tombe, mais je pense qu'il va prendre ses bonbons dès que je vais le choper. Après, on verra ce que la passion et la chance vont apporter. C'était tout pour cette vidéo analyse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez le Discord FCGE dans la description si vous voulez venir papoter ou si vous avez besoin de conseils si vous débutez le jeu pour le 3e anniversaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Mazalotan no Satoshi!